En 1610, Claudio Monteverdi se rend à Rome pour publier une œuvre qui est restée célèbre dans l'histoire de la musique, ses fameuses vêpres dédiées à la Vierge, mais aussi une messe à six voix, la Missa in illo tempore, basée sur un motet de Nicolas Gombert, qui était musicien de Charles Quint, donc une bonne cinquantaine d'années avant. Et c'est pour travailler cette œuvre-là, la Missa in illo tempore, que nous sommes ici et que nous bénéficions d'une résidence à l'Académie Bach d'Arc-la-Bataille. Pendant deux jours, on travaille cette messe in illo tempore, qui est normalement a cappella, c'est-à-dire sans instrument. Or, avec l'expérience qu'on a acquise ces dernières années en travaillant sur les messes françaises de la même époque, où on a doublé les voix soit d'une famille de viols de gants, mais surtout de cornets à bouquins, de sacs-boutes et de serpents, l'instrument que joue Von Niostiou, qui dirige l'ensemble avec moi, eh bien, en fait, on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose avec cette messe de Monteverdi. D'abord parce que ça pouvait lui donner un nouvel éclairage, on va dire. Et puis surtout, certaines messes françaises ont exactement la même disposition vocale, les mêmes tessitures des voix. Et donc, comme ça a marché pour ces œuvres-là, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour cette œuvre. Donc là, on a six chanteurs, et puis un septième finalement, parce qu'à la fin, il y a une autre voix qui se rajoute. Et puis, on va rajouter deux cornets à bouquins, trois sacs-boutes, sacs-boutes alto, deux sacs-boutes ténor, et puis une basse de cornet que joue Von Niostiou. Et Monteverdi rend hommage à un style qu'on appelle la prima pratica, une musique polyphonique, alors que lui, c'est l'inventeur, l'un des inventeurs de l'opéra, où il y a des chanteurs qui sont accompagnés d'une basse continue et où le traitement du texte est différent. Là, on s'attaque à un monument de l'histoire de la musique et d'un grand compositeur du XVIIe siècle, Claudio Monteverdi. Sa candidature à Rome n'a pas marché, mais quand il est revenu à Mantoue, pour encore 3 ans travailler pour le duc de Mantoue, puis après il a travaillé à Venise, on sait qu'il a joué des messes et qu'il a rajouté des instruments, notamment des cornets à bouquins. Et en fait, il a créé l'un de ses chefs-d'œuvre, qui est peut-être pas le plus connu, mais qu'on prend beaucoup plaisir à travailler pendant ces deux jours.